Johan Rivière, le gardien de Chevigny, ton regard sur la rencontre, le petit poussé n'a pas fait l'exploit, enfin pas le petit poussé, mais le petit ce soir n'a pas fait l'exploit. Non, on n'a pas fait l'exploit. Maintenant, voilà, moi personnellement, je suis fier de l'équipe et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on a fait, parce que voilà, on s'est défendu avec nos armes. Et voilà, c'est une équipe qui a été très très sérieuse jusqu'au bout. On y a cru quand même, puisqu'à 1-0, ils se sont créés quelques opportunités sans les mettre au fond. C'est le point qu'on avait travaillé un petit peu. On savait qu'ils se créaient des opportunités sans forcément marquer beaucoup de buts. Donc on en a profité un peu, on a égalisé, ça a été beau. Et malheureusement, voilà, ils ont accéléré un peu, ils ont un joueur, on savait très bien que Martin c'était un super joueur, on le connaissait. Il met un super coup franc, il met une frappe croisée comme il les aime, parce qu'en règle générale, il croise ses frappes. Malheureusement, je l'ai anticipé de l'autre côté, mais voilà. Et voilà, on a pas à rougir parce qu'on est tombé sur vraiment beaucoup plus fort que nous. Et on sort la tête haute et je suis vraiment fier du groupe, du club aussi, parce que le boulot qu'ils ont fait depuis 3 semaines, c'est beau. C'est incroyable. Il y avait pas mal de monde dans le stade. Toi, personnellement, les rapports que tu as entretenus avec les joueurs sur le terrain, c'est un match qui s'est globalement bien passé, pas spécialement d'engagement physique, mais ça a été un beau match. Ah oui, très beau match. Et puis avec beaucoup de respect de l'équipe, de la part de l'équipe adverse. Je pense qu'ils nous ont respectés. Ouais. Et je suis content qu'ils nous aient respectés et ils nous ont pas pris à la légère. Et voilà, ça a été une belle rencontre, un beau spectacle. Les supporters chauvinois ont mis le feu un peu, voilà, à leur façon, avec les moyens du bord. Et ça a été vraiment, vraiment une belle fête ce soir. Bon, il y a la défaite au bout, mais une défaite en sortant par la grande porte, je pense. Et toi, tu vas garder en tête un super arrêt sur une tête de Frédéric Bong. Tu fais un arrêt à bout portant. Ouais. C'est un vrai réflexe, oui. Et puis après j'ai quand même la chance qu'ils me mettent un peu sur moi, parce que j'anticipe pas, je reste sur mes appuis. Et oui, je suis content d'avoir fait cet arrêt là. J'ai pas eu que ça à faire. C'est pas toujours les arrêts les plus compliqués à faire non plus, parce que j'ai eu 2 sorties dans les pieds aussi où il a fallu que j'anticipe beaucoup les choses avec des ailiers qui centrent vraiment très fort et très précisément. Il fallait anticiper. Voilà, je pense que j'espère avoir réussi mon match et voilà, je suis content, même de ma défense qui a été solidaire jusqu'au bout et bien en place. Merci. Voilà. Bien.